Ce programme commun, on le connaît, hein. Alors on peut toujours évidemment chercher à le peaufiner, mais il tient, si j'ose dire, en cinq mots. C'est l'autorité, l'identité, la souveraineté, les libertés, ou la subsidiarité si vous préférez, et la dignité. Je développe en quelques mots. L'autorité de l'État. L'autorité de l'État, ça veut dire non pas un État omnipotent, mais un État qui assure ses fonctions régaliennes et qui est le garant de la réalisation du bien commun. L'identité, c'est la défense de l'existence du corps social, aussi bien vis-à-vis d'une immigration qui déstructure, qui atomise le corps social, que vis-à-vis du déracinement, j'allais dire, des autochtones. La souveraineté, c'est la défense de l'indépendance nationale. La souveraineté est un moyen, ça n'est pas une fin en soi. La liberté, ou plutôt les libertés économiques et sociales des différents corps sociaux, c'est donc aussi bien du point de vue, je dirais, des questions économiques que du point de vue eh bien, des collectivités territoriales. Et puis enfin, la dignité de la personne, le fait de traiter l'autre, évidemment, non pas comme une chose, mais comme un être humain, et en particulier les êtres innocents que sont les enfants à naître. Ce programme commun, hein, autorité, identité, souveraineté, liberté au pluriel ou subsidiarité, dignité, ce programme commun, il réunit au moins 80% de ceux qui aujourd'hui se répartissent entre les différents partis politiques qui existent et qui parcellisent cette force politique-là qui est véritablement de droite et pas simplement à droite. Eh bien, l'unité de la droite, elle peut se faire à condition effectivement que la logique mortifère des actuels partis politiques soit abandonnée.